Dans l'épisode d'ici tout commence, programmé le vendredi 30 septembre 2022 à 18h40 sur TF1, suite à son baiser échangé la veille avec David, Liam Hellman, Anaïs, Julie Sassous, est perturbé. Le jeune homme lui fait une déclaration, mais elle a besoin de temps. Charlène, Paula Petrenko, observe un geste affectueux entre les deux. Anaïs retrouve ensuite Joachim, Rose et Salomé pour la construction du restaurant éphémère. La structure du pop-up sera reprise, mais Anaïs devra tout agencer. Elle souhaite appeler son restaurant le Rocher Blanc. David rejoint ensuite la jeune femme et lui déconseille d'appeler son restaurant comme cela puisqu'il s'agit de l'endroit où son frère s'est noyé. Mais pour Anaïs, cet endroit lui rappelle plein de souvenirs d'enfance. Salomé mène l'enquête, David passe aux aveux dans Ici tout commence sur TF1. Bien que David tente de dissuader Anaïs d'appeler son restaurant comme cela, celle-ci insiste. Elle a enfoui la mort de son frère pendant des années et a besoin de s'y confronter. De son côté, Salomé, Aurélie Ponce, a mené son enquête et a découvert que le Rocher Blanc est l'endroit où Mathieu s'est noyé. Elle confronte David pour parler du jour de l'accident, mais celui-ci réagit de façon agressive et demande de ne pas insister. Charlène révèle à Lisandro, Agustine Galliana, ce qu'elle a vu dans le parc entre Anaïs et David. Lisandro se rend alors en cuisine où David cuisine alors qu'il n'a pas le droit. Le ton monte et le professeur perd son sang-froid après une provocation de l'élève. Anaïs intervient et fait promettre à David de ne rien dire. Par ailleurs, après avoir parlé à Rose, Salomé se rend dans la chambre de David et découvre une vidéo sur son ordinateur remontant au jour de la mort de Mathieu. David la surprend et avoue être responsable de sa mort. Il demande de ne rien dire à Anaïs. Samia cède à Ethan Clotilde, Elsa Launeguini, donne cours aux élèves de première année sur la cuisson à basse température. Axel, Thomas da Costa, a un peu de mal et alors que la chef Armand s'apprête à lui donner des conseils, Samia intervient pour lui expliquer sa méthode. Clotilde est impressionnée, mais elle l'est encore plus par Ethan, au grand dam de Samia. La compétition entre les deux premiers de la promo continue. Plus tard, Clotilde confie à Antoine qu'il y a une vraie cohésion chez les premières années. Elle pense que Samia et Ethan Rickcleve peuvent réaliser de belles choses ensemble. Par ailleurs, Ethan se rend chez Samia, Emma Boulanoir, avec un dessert. Leur jeu de séduction reprend et ils finissent par s'embrasser et couchent ensemble. L'étrange message d'Enzo Vic, Samia et Billy, Margot Kembi Aguilar, décide de recruter Enzo, Aziz Diabaté, pour intégrer le cercle. Le jeune homme reçoit un message mystérieux dans son casier, mais il ne comprend pas. Vic tente de le mettre sur la piste, mais Lionel, Lucien Belvès, intervient. Il est persuadé que c'est une blague ou un rapport avec le sexe. Enzo ne se pointe pas au rendez-vous, au grand dam de Billy, Vic et Samia. Vic, Lou Lalgairi, pense alors qu'il faut recruter Théo Tessier pour le cercle car c'est un chef reconnu. Mais, ses amis ne sont pas d'accord et font promettre à Vic qu'elle ne lui demandera pas. Ici tout commence est à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1.